Bonjour à tous, cette semaine nous sommes à Dax dans le sud des Landes. Vous le savez, l'une des spécialités ici c'est le thermalisme, mais pas seulement. Vous le voyez derrière moi, il y a aussi beaucoup d'hélicoptères et ça tombe bien. Nous sommes à l'école d'aviation légère de l'armée de terre de Dax. C'est ici que sont formés les futurs pilotes des armées, mais aussi de plusieurs armées étrangères. On en parle tout au long de cette émission. Suivez-moi, le colonel d'Orange, le patron de la base, nous attend déjà sur la piste. Bonjour mon colonel. Vous êtes le patron de l'EALAT, l'école de l'aviation légère de l'armée de terre de Dax. Avant de revenir sur les missions, on voit les appareils autour de nous qui commencent à décoller, sur les missions de la base. Quel était votre parcours? Quand avez-vous décidé d'être pilote d'hélicoptère finalement? C'est ce que c'est une vocation qui remonte à loin? Alors c'est une vocation qui est relativement ancienne effectivement, puisque dès mon bac en poche, j'ai eu l'envie de devenir pilote. Et pour ce faire, j'ai fait le choix de passer par Saint-Cyr. Donc je suis Saint-Cyrien. L'école des officiers. L'école des officiers de l'armée de terre. À l'issue de cette école, j'ai pu choisir l'aviation légère de l'armée de terre directement parce que j'étais apte et que mon classement me le permettait. Donc apte physiquement et j'avais passé des tests de sélection également. Est-ce que vous avez hésité entre un autre type d'appareil? Vous auriez pu choisir peut-être, si vous êtes parti sur l'armée de terre, c'était les hélicos, mais avant ça, les avions, la chasse, ça aurait pu vous intéresser? Effectivement, j'avais un goût prononcé pour tout ce qui volait. Mais le jour où j'ai vu un hélicoptère qui était capable de s'arrêter, déjà mes connaissances en physique m'ont dit qu'il y avait quelque chose de magique. Donc en fait, il n'avait pas besoin d'avoir de vitesse pour pouvoir voler. Donc ça m'a plu. Et puis en plus, quand on voit ce que peut faire un hélicoptère, voler près du sol, voler très haut, voler en montagne, poser sur un bateau, je me suis dit que c'était vraiment là que je voulais servir. Alors quel a été votre parcours justement après Saint-Cyr? Vous avez peut-être été élève vous-même à l'école de Dax? J'étais élève ici en 97. Et après une petite année, je suis parti au Luc en Provence pour me spécialiser en vol de combat. Et j'ai été pilote sur Gazelle Viviane pendant à peu près une quinzaine d'années. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Gazelle Viviane, c'est un hélicoptère de combat? C'est un hélicoptère de combat qui a une spécificité d'avoir une caméra de très haute technologie qui permet de voir parfaitement la nuit et de tirer un missile avec précision à plus de 4000 mètres. Alors dans les médias, on parle aussi beaucoup de gazelle haute. Est-ce que c'est C'est un upgrade de la gazelle haute, puisqu'elle a la capacité de tir de nuit avec une meilleure précision. Alors quels sont les... Vous avez forcément fait des OPEX, des opérations extérieures. Où avez-vous servi, mon colonel? Alors, en servant à Pau comme jeune lieutenant au 5e RHC, j'ai eu la chance de partir en Yougoslavie et de faire le tour du monde sur la Jeanne d'Arc. Et j'ai participé aux premières missions anti-pirates en océan Indien. Ça, c'était dans une vie plus active. Aujourd'hui, vous êtes le patron de l'école de Dax. J'aimerais qu'on revienne sur les missions de cette école, de cette base école. Racontez-nous le point de départ pour commencer. Depuis quand forme-t-on des pilotes ici à Dax? Alors, nous formons à Dax depuis 1959, lorsque nous avons rapatrié ici plusieurs centres de formation qui étaient à l'époque à Mayence, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, et également des centres de formation qui étaient en Algérie, donc à Sidi Bel Abbès. Donc 1959, le point de départ, et d'entrée de jeu, la mission s'est formée les futurs pilotes de toutes les armées. C'est comme ça dès le départ ou c'est venu avec le temps? Alors c'est venu avec le temps. Pour être tout à fait honnête, au départ, on a formé surtout des pilotes avions et un tout petit peu de pilotes hélicoptères. Parce que c'était la vocation de l'aviation légère de l'armée de terre, c'était les avions d'observation de l'artillerie qui guidaient les tirs. Par la suite, on est rapidement passé à l'hélicoptère et on est devenu le centre de formation de toutes les armées. Elles sont venues s'agréger à notre école dès 63 pour les marins. En 65, les gendarmes ont fait le choix également, dès les premiers appareils qui sont arrivés dans la gendarmerie, de nous envoyer leurs élèves pilotes. Et par la suite, en 95, l'armée de l'air a fait le même choix. Elle a fermé ses centres de formation, elle nous a envoyé tous ses élèves et nous formons tous les pilotes de toutes les armées aujourd'hui, y compris de l'armée belge, qui a également fait le choix de venir uniquement ici. Nous sommes le seul centre de formation de l'armée belge pour les pilotes d'hélicoptères. Alors je crois savoir aussi qu'il y a des formations pour des armées étrangères. Ça, c'est un autre volet de l'école de Dax, pouvoir former des pilotes, des armées d'autres pays? Alors tout à fait. Alors en lien avec les accords que nous avons avec d'autres nations, nous sommes en mesure de former leurs pilotes. Et pour ce faire, nous avons aussi une structure dédiée. C'est la Défense Conseil International, cette société qui est une société qui est essentiellement dirigée par l'État, hein, puisqu'au conseil d'administration, plus de 50% appartiennent à l'État. Cette société a pour vocation de permettre le transfert de savoir-faire auprès de pays acheteurs d'appareils. Et donc dans le cadre d'un processus qu'on appelle l'offset,
les États qui choisissent d'acheter un hélicoptère demandent souvent une rétribution sous forme d'un savoir-faire. Et ce savoir-faire passe par des formations d'hélicoptères. Donc concrètement, quels sont les pays ou les équipages que vous formez? De quels pays viennent-ils? Alors très récemment, nous avons formé la quasi-totalité des pilotes du Koweït qui ont été formés ici. Mais par le passé, on a également formé les pilotes gabonais, les pilotes nigériens. Je pourrais pas vous dire toutes les nations. Nous avons aussi formé des pilotes allemands. Et donc les appareils de DAX sont compatibles avec cette formation-là, l'enseignement international? Alors à deux égards. D'une part, notre enseignement est reconnu sur le plan militaire par toutes les armées étrangères. Mais en plus, nous sommes en mesure de délivrer un brevet reconnu par l'aviation civile et qui est sous un standard européen. Donc toute nation qui ferait le choix de venir se faire former ici aurait un pilote apte à servir dans n'importe quel pays comme pilote civil professionnel. Alors ça, c'est vraiment pour l'essence même de la mission de l'EALAT. Quels sont les effectifs ici présents sur base aujourd'hui? Alors sur ma base, j'ai 600 personnes, mais seulement 400 sont sous mon commandement direct, car j'ai énormément de sous-traitance. La sous-traitance notamment que l'on voit derrière nous à travers les hélicoptères qui sont mis à disposition par une société qui s'appelle Helidax. Mais j'ai également d'autres sociétés qui contribuent à faire fonctionner cette base. Ça peut aller des espaces verts, aux services de table et également d'autres prestations diverses et variées. Donc 600 personnes, quel est l'impact économique? Parce que c'est toujours important quand une base est ancrée dans un territoire et il y a des incidences économiques. Est-ce qu'on peut les mesurer pour la base de DAX? Bien sûr, alors pour DAX c'est assez simple, c'est à peu près 50 millions d'euros dépensés chaque année au profit de la formation, sous la forme d'heures de vol, de litres de carburant, d'achat et de salaire. Mon colonel, vous nous avez proposé de monter à bord de cet hélicoptère. Je vous propose qu'on s'installe et qu'on poursuive l'interview juste après. Marquons. Alors voilà, nous sommes à bord donc de cet appareil. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une formation, on est sur une base militaire et vous formez les futurs pilotes des armées sur des appareils qui ne sont pas militaires, sont des appareils civils. On parle ici d'un Colibri EC-120, ça c'est son nom de fabrication. Expliquez-nous comment on peut aujourd'hui former des pilotes militaires sur des appareils civils. Alors déjà, le brevet qui est donné aux élèves pilotes et aux moniteurs, c'est un brevet civil. Donc en fait, ici, nous allons leur donner des qualifications de professionnels, de pilotes professionnels, qui donc peuvent parfaitement se faire sur un appareil civil. Ils ne vont pas tirer, ils ne vont pas faire de combat, ils vont savoir se déplacer dans un environnement de combat, mais ils ne feront pas de combat. Alors dans quelques minutes, on va rencontrer un instructeur, on va aussi rencontrer des élèves de l'EALAT. Néanmoins, cet appareil, c'est aussi une particularité de la base, puisque cet appareil est en location, c'est ça, vous avez un contrat avec un industriel, et donc on n'apprend plus ici à piloter sur des gazelles, finalement. Tout à fait, alors on ne pilote plus sur gazelle, qui était un appareil également civil, mais qui avait été vraiment fait dans l'objectif de servir les armées. Celui-ci, à l'origine, c'est un appareil d'école, de VIP. C'est pas un appareil qui était prévu pour les armées. Toutefois, nous l'avons fait améliorer, comme vous pouvez le constater face à vous, beaucoup de glass cockpit. Alors ces glass cockpit ont une finalité, c'est qu'ils préparent parfaitement mes élèves pilotes à devenir pilotes sur un Tigre, sur un H90, Caïman, derrière. Et donc, en fait, ils ont une facilité à passer d'un appareil à l'autre qui est vraiment accentuée grâce au choix que nous avons fait d'améliorer l'appareil civil vers un appareil qui prépare. On appelle cet appareil d'ailleurs le Calliope, une fois qu'il est transformé. Une fois que c'est un Calliope, donc ça veut dire que l'appareil est complètement configuré pour un usage de formation type militaire. Tout à fait, puisqu'il permet même de porter des jumelles de vision nocturne qui permettent de voler la nuit avec une intensification de lumière qui permet de voir parfaitement à quelques centaines de mètres, y compris un câble électrique. Alors je voudrais qu'on revienne sur l'implantation de l'EALAT, parce qu'on le voit autour de nous, les voitures passent, on n'est pas très loin de l'agglomération du centre de Dax. Vous nous avez dit tout à l'heure à peu près 600 personnes. Vous êtes, c'est quoi, le deuxième pôle d'emploi Tout à fait, le deuxième pôle économique de l'agglomération de Dax. Juste derrière l'hôpital. Donc ça veut dire qu'ici, on connaît forcément toujours quelqu'un qui a travaillé à la base. C'est tout à fait vrai. Depuis 1957, avec le choix d'acheter le terrain, d'acheter le bâtiment qui nous sert de poste de commandement,
Tout le monde a eu un parent, un frère, un oncle qui a servi sur la base, à l'époque de la conscription bien sûr, mais également comme instructeur ou qui est revenu s'installer dans la région après une carrière qui est à travers tous les continents. Peut-être un dernier mot, mon colonel, avant qu'on aille rencontrer les instructeurs, combien d'heures de vol ici à La Latte chaque année ? Alors aujourd'hui, nous faisons 22 000 heures de vol par an à Dax, ce qui représente un tiers de ce que fait toute l'aviation légère de l'armée de terre partout dans le monde. Merci mon colonel. On va aller maintenant rencontrer des élèves et des instructeurs de La Latte pour comprendre un peu mieux leur métier et leur formation. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours à Dax, à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre. Et nous allons rencontrer maintenant un instructeur, le capitaine Rémy. Il est en charge de la formation des élèves. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Alors je le disais en préambule, vous êtes en charge de la formation, de l'instruction des futurs élèves, des futurs pilotes, pardon, de ces élèves-là. D'abord pour commencer, quel est leur niveau scolaire en général ? D'où vient-on pour devenir pilote d'hélicoptère ? Alors il faut savoir que pour faire pilote d'hélicoptère, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'études très approfondi. Les formations commencent dès le bac, donc on peut très bien rentrer à l'école avec une formation post-bac de tout horizon qu'il soit. Les profils sont très différents finalement ? Oui, c'est ça. Vous avez des stagiaires qui ont juste un bac, d'autres qui ont des licences pro, des masters, certains qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou même qui ont interrompu leurs études. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, cette formation pour devenir pilote d'hélicoptère, comment ça se passe ? Quels sont d'abord les savoirs de base finalement, les compétences indispensables ? Alors les compétences de base, elles sont quand même assez diverses, mais elles sont difficiles à appréhender avant le début de la formation, puisque ça fait appel à des aptitudes psychomotrices qui sont décelées, elles, pendant les phases de sélection. Après, donc ça, c'est une aptitude physique pour commencer. Voilà. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une excellente motivation. Quand on vient faire la formation, il faut vraiment être motivé pour faire ce métier. Et ça demande quand même un investissement personnel qui est très important, puisque la formation est très dense. Est-ce qu'il y a un paramètre rédhibitoire ? Je pense à la vue, qui est toujours important. Alors après, bien sûr, il y a des paramètres médicaux qui, eux, entrent en jeu, ouais, et qui sont spécifiques à la spécialité, qui, eux, sont justement décelés par les médecins propres de l'aéronautique. Alors, combien de temps pour un élève faut-il pour qu'il commence à s'installer à bord de l'appareil, à commencer à prendre les commandes et à faire son premier vol ? Alors déjà, la formation commence par une phase théorique qui dure environ 5 mois et demi, 22 semaines. Ensuite, il y a une formation pratique, elle, qui est répartie sur 8 mois. Donc 30 semaines de formation. Mais par contre, ça commence par 7 heures de simulateur. Et à l'issue de ces 7 heures de simulateur, l'élève, pilote, lui, monte à bord de l'hélicoptère pour la première fois et rentre dans le vif du sujet très rapidement. Donc finalement, c'est assez rapide, cette formation. Combien d'élèves avez-vous chaque année, combien passe-t-il par ici ? Alors, il faut savoir qu'à l'école, il y a à peu près 1000 stagiaires qui passent par l'école dans 49 actions de formation différentes. Après, propre à la formation des élèves pilotes, c'est environ 100 stagiaires en permanence sur la base qui sont en formation. Donc 100 stagiaires qui sont amenés à décoller, atterrir, faire des heures de vol ici à La Latte à Dax. Un dernier mot sur cette formation, parce que vous formez des pilotes pour les armées, des pilotes militaires. Parlez-nous des vols de nuit, parce que c'est une des caractéristiques. Il faut aussi savoir piloter dans des conditions compliquées. Comment on appréhende ce sujet-là en particulier ? Alors tout d'abord, on commence la formation par ce qu'on appelle du vol à vue, donc de jour. Et il y a une partie qui se fait également de nuit, donc du vol à vue de nuit avec des références extérieures. Et plus tard dans la formation vient un complément de phase vol sous jumelle de vision nocturne qui est propre justement à l'armée pour pouvoir opérer sur tous les théâtres d'opérations extérieures avec ce système de vision nocturne. Alors vous-même, vous êtes instructeur, mais vous êtes aussi pilote. Parlez-nous de votre expérience. Par où êtes-vous passé et quel type de vol avez-vous effectué ? Quelles étaient vos missions avant d'être ici ? Alors moi, je suis passé à Dax en 2005. À l'issue de mon passage à Dax, j'ai été 12 ans en unité opérationnelle, essentiellement sur Pau. Et après, j'ai pu goûter au théâtre d'opérations comme la Côte d'Ivoire, la Libye, l'Afghanistan et plus récemment le Sahel. À bord de quel type d'appareil ? Alors moi, j'ai fait toute ma carrière opérationnelle sur l'hélicoptère Gazelle, donc hélicoptère d'attaque. Donc pilote de combat ? Tout à fait. Et aujourd'hui, instructeur, le terrain ne vous manque pas ? Justement, c'est quelque chose de complètement différent qui demande, des prérequis qui sont différents par rapport à la vie opérationnelle. Mais par contre, ça reste quand même un métier très intéressant de transmettre ses savoir-faire. Merci mon capitaine pour toutes ces explications et bon vol pour la suite. Merci. Merci. Nous, on va continuer notre visite et cette présentation de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre de Dax avec des élèves. Nous sommes toujours à la base école de Dax. Nous allons rencontrer l'aspirant Daniela qui vient de faire son premier vol solo à bord de l'hélicoptère. Bonjour. Bonjour. Comment s'est passé ce premier vol solo ? C'était une première donc pour vous ? Oui, très bien, c'était assez intense.
Donc c'était la première fois que je volais toute seule aujourd'hui dans le C120. Bon, après, le moniteur était confiant, puisque c'est pour cela qu'il m'a lâché, mais il avait donc confiance en mes capacités. On a travaillé dur pour ça pendant tous ces premiers Justement, vols. Justement, vous en êtes où de votre formation ici? Là, je viens de commencer la phase vol. Donc, on a fait un peu plus de 6 mois de phase sol au début. Et ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on vient d'arriver en phase vol. Est-ce que c'est un soulagement de, ça y est, de décoller la... Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir après avoir étudié pendant 6 mois, après avoir bien travaillé, de pouvoir enfin piloter et de toucher un peu plus à ce qu'on aimerait faire plus tard. Vous avez voulu faire. Alors, racontez-nous votre parcours en quelques mots. D'où vous arrivez finalement? Quelles sont vos études pour arriver jusque-là? Bon, en fait, avec le recrutement, on peut venir dès le bac, mais moi, j'ai fait le choix de faire des classes préparatoires avant et de préparer une école et de faire une école d'ingénieur. Néanmoins, j'ai pas eu la chance de terminer mon école puisque j'ai été recrutée un petit peu avant la fin de ma 3e année, donc j'ai pas validé mon diplôme. Vous êtes partie avant? Je suis partie avant parce que je pouvais plus attendre. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc, pilote d'hélicoptère, comment vient cette passion? Pilote d'hélicoptère, en fait, j'ai toujours voulu, c'est un peu cliché, mais j'ai toujours voulu faire pilote. C'est une passion pour moi. Mon père était pilote dans le privé. D'hélicoptère ou d'avion? D'avion. Et du coup, j'ai toujours voulu piloter des avions en premier. Et j'étais à Grenoble pendant mon école d'ingénieur où il y avait beaucoup d'hélicoptères pour la sécurité civile ou la gendarmerie. Et donc, en fait, c'est un appareil qui m'a vraiment attiré l'attention et... Donc c'est un rêve qui commence à se concrétiser. Oui, voilà. Aspirant Daniela, quel est votre objectif? Vers quelle spécialité allez-vous vous tourner? Est-ce que c'est l'armée, les hélicoptères de la marine ou de l'armée de terre? Eh bien, moi, j'ai fait mon recrutement pour être dans l'armée de terre, donc dans la LAT. Donc, je vais choisir entre la manœuvre et l'assaut. Enfin, c'est en tout cas la filière. Pour l'instant, que... vous hésitez encore entre les deux? Non, j'hésite pas. J'aimerais bien faire en tout cas manœuvre et assaut, donc des plus gros porteurs pour pouvoir amener les hommes dans les parties, les points sensibles, aller les récupérer, faire du sauvetage. Donc, etc. Quel type d'hélicoptère J'aimerais beaucoup le NH90, le Caïman, un hélicoptère nouvelle génération. Bon, on est très bien, c'est un rêve qui se concrétisera peut-être. Merci beaucoup pour ces explications, Daniela. Merci. Nous sommes toujours à la base école de Dax et nous sommes avec l'aspirant Iwen. Bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, vous êtes rentré dans la phase de vol. Oui. Vous avez fait votre premier vol ces jours-ci. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? C'est une vraie satisfaction? Oui, complètement, parce que c'est l'aboutissement de tous les cours que l'on a eus et toutes les compétences que nos moniteurs nous ont inculquées. Et on arrive maintenant à les travailler seuls sur le solo. Et puis le contrôle qui valide la fin de la base. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a de l'appréhension ou est-ce que c'est finalement une concrétisation, une confirmation et on part confiant à bord de l'appareil? Il y a toujours une petite part d'appréhension avant le vol, une petite part de pression, mais que l'on évacue et que l'on ingère rapidement dès qu'on est en vol et après on se concentre sur ce qu'on a à faire. Donc la formation est validée en partie si vous êtes à mi-chemin, à mi-parcours, c'est ça? On est au tout début. Au tout début, oui. Il vous reste combien de temps ici à Dax avant de vous envoler pour... une future affectation? En un peu plus de 6 mois encore de formation en vol pour valider et ensuite partir vers d'autres horizons. Aspirant Iwen, quelles sont vos motivations? Comment vous êtes arrivé jusqu'à la base de Dax? Alors les motivations, c'était déjà un rêve d'enfant de pouvoir voler et puis voler proche du sol comme on le fait avec les hélicoptères de l'armée de terre. Après on a été recruté donc en postulant via le CIRFA. Quel niveau vous avez justement? Vous arrivez de... Alors moi j'ai un master 2 en hygiène, sécurité, environnement, mais j'aurais pu postuler au niveau bac. Mais j'ai décidé de faire mes études d'abord et puis après m'être testé un peu dans le civil, j'ai voulu embrasser une carrière dans l'armée. Se tester dans le civil, ça veut dire commencer à travailler un petit peu oui, dans votre spécialité? Travailler en alternance pendant les études. Mmh. Et puis finalement, j'avais besoin de plus d'opérationnel et de concret. Et du coup, d'où me... votre candidature ici. Tout à fait. Pour terminer, aspirant Iwen, quels sont vos objectifs après la formation? Vers quelle spécialité allez-vous vous tourner? Alors j'aimerais un hélicoptère de manœuvre et d'assaut, comme le NH90 qui est le tout dernier arrivé, pour faire des missions variées comme des poses de commando ou transport de matériel. Donc de l'opérationnel. Et de l'opérationnel complètement, oui. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Nous sommes de retour avec le colonel d'Orange, le patron de la base école de Dax. On va conclure cette émission ici dans la tour de contrôle, d'où on peut apercevoir le plan de décollage.
Mon colonel, pour finir cette émission, quelques chiffres. Quel est le taux de réussite? Parce qu'on a rencontré des élèves ici qui sont très déterminés. Est-ce que tous deviendront des pilotes des armées? Alors tous, je l'espère. Il faut savoir que la sélection a lieu avant. Elle a lieu lors des sélections techniques, lors des sélections psychotechniques et médicales qui ont lieu notamment à Vincennes. Ces pilotes ont été sélectionnés et il y en a 1 sur 10 environ qui nous rejoint. Et lorsqu'il nous a rejoint, ma vocation à moi, c'est de les former. Et donc ici, j'ai un très bon taux de réussite, de l'ordre de 90% de réussite. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne réussisse pas? Est-ce que c'est l'aléa de la vie, un accident de la vie par exemple? C'est exactement ça. La plupart des élèves en fait échouent uniquement parce que la pression, le stress d'être noté tous les jours ne peut pas se concilier avec des accidents de la vie, un divorce ou quelque chose comme ça, qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à pouvoir suivre et affronter leurs difficultés quotidiennes. Donc ce que vous nous dites ici, c'est qu'il y a une vraie pression pour les élèves. On est vraiment noté tous les jours? On est noté tous les jours. Chaque vol est noté. Il a un code couleur, bleu, vert, jaune ou rouge. Lorsque c'est rouge, le vol doit être refait. Mais si, lorsqu'il est refait, il n'est pas bon, on passe en conseil d'instruction. Donc voilà, une vraie pression. Je voudrais qu'on conclue cette émission en évoquant l'hélicoptère de demain. Quelles sont les pistes de réflexion? Est-ce qu'il y aura encore des pilotes? Parce qu'il y a aussi les drones qui apparaissent. Est-ce que l'hélicoptère a encore toute sa place dans le dispositif militaire? Alors parfaitement, l'hélicoptère a encore toute sa place. Et bien que nous formions ici tous les pilotes drones également, je peux vous dire que les pilotes d'hélicoptère n'ont pas de souci à se faire pour leur prochaine mission, puisqu'ils continueront à aller chercher les blessés, ils continueront à emmener les commandos dans les zones les plus retranchées, les zones les plus accidentées, les zones les plus dangereuses, où ils ne pourront pas accéder par d'autres moyens que l'hélicoptère, surtout avec un appui direct sur eux, au-dessus d'eux, un hélicoptère armé, quand ils vont récupérer un blessé, quand ils vont déposer un commando, ils ont toujours un hélicoptère armé au-dessus d'eux, qui a une vision panoramique, qui n'est pas celle qu'un drone peut avoir à travers une paille. En termes d'innovation, qu'est-ce qui se profile pour les hélicoptères de l'armée? Est-ce que des nouveaux équipements, peut-être de nouveaux armements, de nouveaux systèmes de communication peut-être? Alors bien sûr, mais ça c'est en continu, c'est-à-dire c'est pas vraiment on va pas avoir un step à travers un hélicoptère, mais tous nos hélicoptères sont en permanence améliorés. Et aujourd'hui, il est certain que les communications par satellite, c'est quelque chose de standard, c'est quelque chose qui sera mis dans tous les appareils. Surtout, ce que l'on voit, c'est les améliorations en termes de maintenance. Les hélicoptères futurs seront des hélicoptères faciles à entretenir, qui nous offriront une disponibilité remarquable sur tous les théâtres, quel que soit le nombre d'heures de vol que nous pourrons faire dessus. Est-ce que, peut-être un dernier mot sur un appareil que tout le monde connaît, qui est le Tigre, qui a fait son apparition il y a quelques années maintenant. Est-ce qu'il a fait toutes ses preuves? Est-ce que c'est l'appareil phare aujourd'hui, le fleuron de l'aviation légère de l'armée de terre? Alors, vous posez la question à un ancien commandant de bataillon Tigre, que j'étais jusqu'à il y a un an et demi avant de prendre le commandement de cette base, et je peux vous assurer que commander des Tigres en opération, c'est fantastique, et surtout, il faut le demander à ceux qui sont au sol. Car pour eux, il suffit d'entendre un Tigre pour qu'ils aient confiance. C'est-à-dire que entendre, c'est un bruit particulier, c'est une puissance particulière. C'est la garantie qu'ils sont protégés. Donc c'est l'appareil ultime, peut-être, pour employer un grand mot? Oui, alors à travers l'ampleur des systèmes d'armes, que ce soit du missile tiré-oubli, un canon de très haute précision, des systèmes de détection qui sont remarquables, aujourd'hui, il assure une réelle protection à tous les combattants, qu'ils soient dans un char, à pied ou même en train de s'infiltrer. En tout cas, les futurs élèves, enfin en tout cas les élèves de la base école de Dax, certains d'entre eux iront sans doute piloter des Tigres donc. Oui, à peu près 1 sur 2. 1 sur 2, et les autres iront vers quel? Essentiellement vers le Caïman, le NH90, qui assure les missions de dépose de commando, mais également certains sur Gazelle, car la Gazelle a toujours de belles années devant elle, notamment avec les tireurs d'élite, mission qui apporte des tirs chirurgicaux au milieu d'une foule. On peut tirer un terroriste, ce que l'on ne peut pas faire avec un Tigre. Bon, donc en tout cas, l'avenir est ouvert grand devant pour les élèves pilotes de l'aviation légère de l'école de Dax. Merci mon colonel pour toutes ces explications, cette visite de la base école de Dax. Il me reste à vous souhaiter un bon vol pour votre prochaine affectation. Votre temps de commandement ici s'achève bientôt. Merci encore. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro.